Bonsoir les amis. Bienvenue à l'analyse du jeudi 7 août 2014 sur le DAX. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut se passer demain? Eh bien, aujourd'hui, Target 9000, check. Pourrait intituler la vidéo comme ça. On a touché les 9000. On est en train de. 5 heures. On a clôturé à 99. Excellent, le marché, il manque pas d'humour. Attends, on a clôturé à 99? Non. Si. L'humour du marché. Alors, sur cette vue, volume profile daily, avec les chandeliers en 30 minutes en dessous, et le volume composite des 5 dernières années, non, je dis des bêtises à chaque fois, je me trompe. On est jusqu'en 2009, si, si, les 5 dernières années, pardon. Donc, sur cette vue, en volume profile daily, avec chandelier 30 minutes en dessous et volume composite sur la droite là, des 5 dernières années, qu'est-ce qu'on voit qui saute aux yeux? Eh bien, j'ai envie de dire ça. C'est quand même magnifique. Regardez ce creux sur le volume compo ici. Voilà. Ce pic sur le volume profile daily ici. C'est pas joli ça? Hein? Honnêtement. Ça s'imbrique pas parfaitement dedans. C'est presque, c'est parfait. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire, en clair, recule un petit peu, que sur une première partie de journée, on a fait ça. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un range. Et là-dedans, il y a des dizaines et des dizaines de trades à prendre qui sont tout simplement superbes. Première chose que l'on voit. Deuxième chose. Réjection sur VWAP Monthly, ici, qui a protégé la zone à stop, que j'avais délimité au-dessus de 168,5. On a fait un léger excès de quelques ticks, mais on n'est jamais passé au-dessus de VWAP Monthly. Donc ça, il faut toujours adapter les scénarios en temps réel, évidemment. Les scénarios que l'on fait la veille, il faut les adapter en temps réel pendant le long de la journée. Si vous avez VWAP Monthly qui coiffe les cours, mais qu'on a quand même dépassé la zone à stop quelques ticks, bien évidemment, vous n'engagez pas le trade breakout si vous êtes toujours sous VWAP Monthly, parce que ça risque de rejeter. D'accord? Une autre manière de savoir si le breakout est un vrai ou un faux breakout, c'est l'order flow. Vous regardez votre footprint. Il y a d'autres outils, je ne vais pas les citer là ce soir, c'est pas le sujet. Déjà le footprint avec un bon volume à balance, un bon flux sur le REX vous aidera à savoir si on est en présence d'un breakout fiable, viable ou pas.
Mais rien que le fait d'avoir VWAP Monthly ici, qui coiffait les prix, il fallait attendre et plutôt se dire qu'en fin de compte, la zone à stop, il fallait la placer au-dessus de VWAP. Et le mec prudent, il se la mettait au-dessus des 79,5. Hier soir, lors de mon analyse, je ne pouvais pas savoir que VWAP se trouverait là à ce moment-là. Puisque hier soir, lors de mon analyse, elle était là. Hein? D'accord? Donc, par contre, cet après-midi, quand j'ai vu ça, il était bien entendu hors de question que j'engage un breakout, que j'engage un buy stop au-dessus des 68,5, mais bien entendu au-dessus des 79,5. Chose que, prix que l'on n'a pas atteint et donc qui n'a pas déclenché mon buy stop. Donc là, ce soir, cette zone à stop, je la déplace au-dessus des 69, 79,5. Voilà. Celle-ci, elle n'existe plus. On va la déplacer en dessous 79, ici. Et même, j'ai envie de dire, en dessous 75, ici. Voilà. Voilà les autres choses que l'on peut voir. Que peut-on voir aussi sur ce volume, ce graphique en volume profile? Qu'on a fait un profil en P avec un joli pic ici et un bas de profil, une queue de profil assez bien travaillée dans l'ensemble. Cependant, si on l'écarte un petit peu, cette queue-là, on constate qu'à certains endroits, on pourrait très bien revenir travailler un petit peu dans des petits creux où il y avait eu beaucoup moins de volume que sur le reste du profil. Des petits creux là, à droite, à gauche. Donc, toute cette petite zone pourrait être une bonne excuse demain. Pour avoir un profil dans une première partie de journée ou toute la journée, ou en tous les cas dans une première partie de journée comme aujourd'hui, ici, ou toute la journée comme avant-hier, ici, ou une partie de journée comme avant-avant-hier, ici, ou toute la journée comme avant-avant-avant-hier, ici, vous m'avez compris. Donc, ça serait donc ces petites zones-là dans la queue du profil. Ça pourrait être le prétexte à un profil demain qui oscille autour de ce pic ici, qui revient là, qui fait du volume encore dans ce creux, toujours actif, qui en fait aussi ici, en dessous de du pic donc. Un peu en dessus, un peu en dessous. Donc on ferait du va et vient autour de ce pic. Ce qui permettrait de combler un petit peu ce gruyère ici que l'on a dans cette queue. Cette queue où il y a beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins de volume que ici, ou même ici, ou ici, ou ici. Cette zone est une zone travaillée, certes, correctement, équitablement, mais peu travaillée tout de même. Donc, on pourrait rester dans ces environs une première partie de journée demain.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est resté compressé entre les deux zones à stop, nord et sud, première partie de journée. Vous voyez? Donc on pourrait recommencer ça demain aussi. Le DAX aime bien faire ça le matin jusqu'à 15h30. Et on a fait ça, ensuite on a fait ça, ensuite on a fait ça, ensuite on a fait ça, pour enfin faire ça. Toujours mon scénario des zones à stop domino, ici au nord, qui pourraient sauter les unes après les autres très rapidement. Et cette zone à stop ici au sud, en dessous les 8975. On constate que pas loin, on a une zone ici en verte de creux de volume sur un volume profile journalier dans le passé à travailler et que ça correspond également à un creux sur le volume composite 5 ans. Donc on pourrait demain avoir comme premier objectif de la journée en second scénario un profil baissier direct. Et direct, on viendrait là, en ce creux, ici. Et on travaillerait quelque temps. Ensuite, on voit qu'en dessous, on en a un deuxième. Donc, on pourrait, après avoir travaillé ici, filer vers ce deuxième creux et travailler dedans. De toute façon, au sud, on a beaucoup de boulot maintenant. On arrive dans ce fameux creux dont je vous parle, qui est visible sur d'autres graphiques sur lesquels on va passer tout à l'heure. On arrive dedans, on est. On commence vraiment à rentrer dedans, presque là. Donc plus ça va aller, plus au sud va y avoir du boulot. Je vais vous montrer d'autres graphiques aussi en Market Profile qui le montrent bien. Voyez, hein, énormément de travail. Toutes les zones vertes là que j'ai notées, c'est du bien. Tout le boulot qu'on a au sud. Regardez ça. Regardez cette zone énorme de travail qu'il y a à faire. Tout ça, c'est des zones de boulot au sud. Vous vous rendez compte? Il y en a un, il y en a du taf au sud. Donc, il n'y a pas de problème. On saura quoi faire. Si on continue à baisser. Je dis si on continue à baisser. Il y a de grandes chances qu'on continue. C'est bien engagé, hein. Mais n'oublions pas que nous sommes sur un niveau en daily. Ça, c'est un graphique du DAX en daily. Très resserré. Qui remonte jusqu'en 2009, début de la tendance haussière que l'on connaît aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une oblique très long terme, là en gris, une oblique moyen long terme en bleu foncé, et une oblique moyen terme ici qui a été cassée récemment. Donc, sur ce graphe en daily, si je zoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va arriver sur les 8926, qui est le point pivot annuel. Et c'est ce point-là que j'attends avec impatience. C'est ce point-là qu'il faut casser pour envisager une poursuite de la baisse. Et pour commencer à parler non plus de correction, mais de baisse. Réelle baisse. Donc c'est ce point-là, hein, au niveau du point pivot annuel, cette zone. D'accord? Je vais la retracer. Hop, tac. Cette zone entre les deux niveaux volume compo ici daily. À 8926, comprise entre à peu près 8945 et à peu près 8891, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller demain,
Ou après-demain, ou la semaine prochaine. Après-demain, ça va pas être possible. On va dire déjà demain et la semaine prochaine. Si on casse ce point, c'est ce que je répète depuis des semaines, des jours et des jours. Si on casse ce point, pardon, on peut très vite squeezer jusqu'ici. Il y aura cet oblique à casser d'abord, ok. Mais le DAX peut très bien en faire fi et aller direct là. C'est mon deuxième objectif. J'en avais aussi parlé plusieurs fois. Ce pic là et ce niveau à 8625. Mon troisième objectif, c'est au niveau de S1. Là. À 8002. Là, cet objectif, il est compris entre 8006, en fait, il est plutôt 8007, 8006. D'accord? On va dire 8625, 8007. Pourquoi 8007? Parce que rappelez-vous, c'est un point, 8007, que j'ai repéré sur le market profile mensuel, où deux ou quatre POC se chevauchent. Deux POC TPO mensuels et deux POC volume profile mensuel. Donc 8007 est très important. 8625 est très important aussi car c'est une zone de réjection sur le volume composite daily. Donc c'est une zone aussi, c'est un objectif et une zone de réjection possible. Objectif premier ici avec réjection ou cassage. Deuxième ici avec réjection ou cassage. Et troisième au niveau de S1 avec réjection ou cassage. Bon, je vous l'accorde, avant d'arriver entre là, là et là, avant d'arriver à S1, il va y avoir des. Ça va pas se faire tout seul. On voit qu'il y a du travail. On peut s'attarder dans ces niveaux-là. Avant d'aller jusqu'à S1 si on y va. Mais n'empêche que. Si on casse le point pivot annuel, qu'on se dirige vers l'oblique ici, qu'on la casse, qu'on arrive sur mon niveau ici et qu'on se met à le casser, moi je vise S1. Même si entre deux il y a du boulot, je pense qu'on ira à S1. Quitte à casser ça, et ben autant aller jusqu'au S1. On a bien rejoint le point pivot. Si on le casse, et ben autant aller au S1 annuel. Ça pourrait être un très 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 bon point d'achat, et ça, annuel. Bref. Ensuite, sur le 4 heures, bah on voit à peu près la même chose. Hein. On voit qu'on arrive sur le niveau là. On commence à grignoter dedans. On voit que, bon, je disais hier, on avait cassé deux supports, celui-ci et celui-ci. On a fait un retour dessous, on a confirmé donc la cassure, et hop, on est reparti sud. Et aujourd'hui, on a cassé ce support, et on est en train de rejeter sur celui-ci à 9000 points. Demain, on va certainement le travailler, et après, advienne que pourra. On verra si on va rejeter dessus ou si on va le casser. Très très important, c'est 9000 points, c'est 8926 points 9000, c'est vraiment une zone hyper importante. D'ailleurs, je vais le faire apparaître sur ce graphique-là, le point pivot annuel. Voilà. Bon, en dessous, les niveaux en dessous, les voilà. Vous pouvez les noter. 820, 540, 150. Ok. Ensuite, le SP, il a cassé ses 910, hein, c'est pour ça que ça a des 8 axes. Ces 910, on les tenait depuis plusieurs jours, et là, on les a cassés. Donc maintenant, c'est direction 85-90.
Market Profile Daily du DAX. On a laissé derrière nous aujourd'hui un magnifique creux, ici, ce qui correspond et ce qui encourage, et on a clôturé ici, hein, la petite flèche est là, sur un niveau que j'ai tracé hier pendant la vidéo, qui est une value area, qui était une value area vierge. On a clôturé juste dessus. Et ça a rejeté pas mal de fois aujourd'hui dessus aussi. Donc ce niveau, ce trou dans le TPO profile, dans le market profile que l'on voit ici, correspond à cette queue peu travaillée dans le volume profile que je montrais dans mon introduction tout à l'heure, avec tous ces petits trous, tout ce gruyère qu'il y a. C'est pour ça qu'on pourrait très bien, ça conforte l'idée d'une première partie de journée demain, avec un profil là-dedans. Et du boulot là-dedans. Parce que là, il y a du boulot à faire. Voilà ce qu'on peut voir sur le market profile daily. On va pouvoir enlever cette zone de signal qui n'est plus valable. Celle-ci n'est plus valable non plus. Elle a rejeté ce matin plusieurs fois, magnifique trade à faire dessus, mais là ce soir elle a été comblée. Alors qu'est-ce qu'on peut tracer comme nouvelle zone pour demain? On va dézoomer. Alors déjà, vous voyez que des zones de single, il y en a au sud. C'est pas ça qui manque. Tiens, je vous laisse les noter, j'écarte un peu et je vous montre les premières que l'on va rencontrer. Voilà, notez les niveaux. Alors, quand le filigrane autour est rouge, c'est des queues d'achat. Quand le filigrane autour est bleu, c'est des zones de single print de milieu de profil. Ok, notez les niveaux. Notez qu'on a des value area vierges aussi. Ça peut rejeter, on l'a vu aujourd'hui. Donc notez-les aussi avec les niveaux. Voilà. Alors, on continue. Les nouvelles zones de single, est-ce qu'il y en a? Oui. On a. Alors attends. On a cette queue d'achat ici. Entre. Neuf soixante-quinze et 9,80. Est-ce qu'on a d'autres? De nouveau. Là, il y a deux impressions, donc non. Alors, on a la queue de vente du jour, ici, avec la value area haute du jour, sur la partie basse de la zone. Donc attention, très beau niveau, 9166, très beau niveau pour demain, à noter. On a ça aussi, une partie de la queue de vente d'hier qui reste, donc on va se les noter. Hop, on va noter les niveaux de celle-ci. Bah, c'est pas compliqué, c'est entre le haut à 172,5 et la value area haute à 166. Voilà. Voilà les nouvelles zones de single pour demain. Sur le market profile daily, voilà ce que peut observer. Ensuite, le market profile annuel. Alors là, vous voyez qu'on a attaqué plus fortement la queue d'achat annuelle et qu'on l'a quasiment comblée entièrement. On
On a presque été jusqu'en bas. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sérieusement cette grosse zone de single print que l'on retrouve sur le profil de l'année dernière. Donc, pour moi, comme on a commencé, si on ne rejette pas à 45,50, on ira jusqu'en bas à 836,50. C'est une chose quasiment acquise. Si on ne fait pas ça, on fera ça très rapidement. Sur le market profile weekly, on voit qu'il y a plein de petits trous à combler sur les TPO profil, sur le market profile au sud. Et notamment ici, sur ce profil-là. Vraiment, là, il y a un énorme creux à revenir travailler. Sur le mensuel, c'est encore plus visible. Vous voyez, sur ce profil de janvier 2013, il y a plein de petits trous. Donc, si on commence à rentrer dans cette zone, eh ben, on va faire des. On va travailler là-dedans, quoi. Si on continue la baisse, qu'on rentre dans cette zone, il y aura des travaux, du travail de fait là, là, ici et ici. Quand on sera dans ces zones, on observera les prix, leur comportement, l'order flow, et on traitera ça comme des ranges. Regardez par exemple ce creux-là. Quand on est revenu dans la zone ici, on l'a travaillé. On a un pic à la place du creux. Regardez cette queue de profil très peu travaillée. Regardez le profil suivant. La queue correspond à un fort travail ici. Regardez ici ce grand creux. D'abord, un petit creux ici, travaillé sur le profil d'après. Et il y a un autre creux ici, travaillé une première partie ici. Et cet autre creux ici, travaillé ici et ici. Vous voyez que on y revient hein, à chaque fois. Là, énorme creux, beau profil balancé dedans. Sur ce profil-là, il y a des trous. On y reviendra un jour. Quand? Personne ne le sait. Mais quand on y sera, on saura quoi faire. Et au sud, zone plus proche de nous pour l'instant, et donc le plus envisageable, regardez les niveaux et les zones importantes. Et mon niveau des 8007. Ça, c'est important, hein. Si on rentre dans ce profil en gruyère, on va y faire beaucoup, beaucoup de travail. Et après, il y en aura encore. Hein. Regardez, si je baisse, regardez ce profil-là, regardez cet énorme creux. Là, là c'est pareil, hein. Les prix, ils vont avoir de quoi faire. Il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. J'ai eu une idée de vidéo. Je ferai une vidéo, un de ces quatre, là, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Pour le sujet de la vidéo, ça sera comment reconnaître comment appréhender les breakouts, comment gérer les ordres stop, les buy stop et les sell stop, et comment reconnaître et appréhender un vrai breakout ou un faux breakout grâce à l'order flow. Je ferai une petite vidéo bientôt. Voilà. Bon, sur le graphique 1 minute, là, que je viens de vous mettre sous vos yeux, on voit que ça a été une journée avec des dizaines et des dizaines de magnifiques trades à prendre, comme d'habitude, hein, sur le DAX. Le DAX nous gratifie de mouvements magnifiques. Très honnêtement, c'est l'un des rares actifs qui fait ça, hein, que je connaisse.
On a des traites de malades à faire sur le DAX. De malades. Il suffit d'attendre les trades les plus fiables au niveau des probabilités et des statistiques. Par exemple, un retour VWAP POC daily moins 1, comme ici. Ou ici, carrément, VWAP, POC daily moins 1, POC du jour. Trois fois, une fois, deux fois, trois fois, je barme. Ici, pareil, VWAP, POC daily moins 1. Allez, je barre. C'est POC daily moins 1 ça ou point pivot? Je ne sais pas. Il y en a un des deux. En tous les cas, c'est. Attendez, je ne sais plus. C'est POC daily moins 1 et en dessous, c'est point pivot. Regardez, ça là, en orange, c'est une zone de silken print hebdomadaire. Regardez. Je boum, réjection. Je boum, réjection. Je boum, réjection. Boum, réjection, je boum, réjection, je boum, réjection. Regardez le retour VWAP ici avec un signal sur les tics. Je boum, réjection, je blaah, derrière, incroyable. Ouais, il y a des super trucs à faire hein, sur le DAX. Pour ça que je vous montre le graphique en une minute là. Voilà, bien. Et puis les niveaux sont super fiables. Par exemple, les niveaux. Concentrez-vous que sur les. Je sais que ça fait beaucoup de couleurs pour certains, que c'est un tradable pour certains. Il y en a que je sais qui n'apprécient pas du tout mes graphiques. Moi, je les adore, je m'y retrouve. Concentrez-vous, par exemple, uniquement sur les niveaux roses, là, sur ce graphique en Renko. Regardez la beauté de ces niveaux. Boum, réjection. Boum, réjection. 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 Tac, tac, tac. Hop, on repart. On retourne. Réjection. Hop, on casse. On retourne. Réjection. Boum, réjection. On y retourne. Réjection. Boum, on casse. On retourne. Réjection. Boum, on casse. On retourne. Réjection. Boum, réjection. Tac, réjection. Ta-ta-ta-ta-ta. Tac, réjection. Réjection, réjection. Tac, réjection. Tac, tac, réjection, 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 réjection. On continue. Réjection, 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 réjection. Et ça, c'est des trades à chaque fois. Par exemple, si on prend un petit là, celui-là, c'est 600, hein. 600 euros. Hein. Attention, avec un seul contrat. Vous avez vu le nombre de trades qu'il peut y avoir à faire sur le DAX, rien qu'avec les niveaux volume profile 30 minutes en rose que je vous mets. C'est incroyable. Allez, bonne soirée, ciao.